Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e épisode. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté, si je ne me trompe pas, sur la fin de la file d'attente, voilà, et de la gare. Et dans celui-ci, on va terminer ce flume avec toute la partie extérieure du parcours qu'on va tout aménager en mettant plein de plantes, ça va être sympa. Et également la première partie dark ride du coaster, plus la sortie qui se trouve juste là. Bim. Et comme ça, on aura fini avec ce flume. Et on sera plutôt bien. On se retrouve après les accélérés. J'ai enfin terminé le flume, comme vous l'avez vu sur les accélérés. Je crois qu'il y en a un qui n'a pas marché. Encore une fois, j'ai encore eu un problème avec mon enregistrement, c'est infernal.
Je sais pas du coup si au montage je pourrais le mettre ou non, on verra. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pu faire. Surtout que j'ai extrêmement bien avancé. Voilà, même en fait, même, tout simplement terminer le flume. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Alors, tout d'abord, on a hop, ce début de flume, juste là, avec des décors très soft. Hein, je suis pas allé forcément dans le gros détail, mais c'est pas dérangeant. Et on sort du coup de cette petite grotte pour continuer ce flume en extérieur. Avec du coup la première drop, d'ailleurs la plus grande. On arrive juste là. Du coup j'ai mis vraiment décoré toute la zone, tout l'endroit. J'ai également, alors j'avais cette idée de... J'ai envie de mettre cette petite cabane. De base, je voulais la mettre ici. Juste là. Sauf que le problème c'est que ça allait... Si on se met à la place du visiteur là, en fait ça a gâché la vue non seulement de l'attraction, et puis potentiellement de peut-être, je sais pas, le futur coaster qu'il y aura derrière, je sais pas trop encore, mais en tout cas ça gâchait la vue. Et on voyait vraiment pas aussi cette statue de l'attraction. Donc c'était dommage, donc je l'ai mise là. Et en soi je trouve que ça rend mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis ça fait une petite interaction aussi avec le flux qui passe à côté. Et j'ai rajouté du coup des animatronics loups. Je voulais mettre des animaux pour que la zone fasse un peu plus vivant. Et surtout que ce soit des animatroniques qui bougent en fait. C'est ce qui rend la zone plus vivante. Donc c'est pas plus mal. Tac. Et on arrive sur la du coup, dernière petite chute. Et j'ai également rajouté un animatronics ici. Voilà. Un crocodile. Que. On va dire un petit peu caché. Mais qui fait son effet quand même. Et on arrive sur la fin du coaster. Avec la sortie juste là. Sortie qui est aménagée très rapidement. Hein. Mais tac tac tac. J'aimerais d'abord avancer en fait cet endroit-là pour continuer la sortie là. Pour voir ce que je vais faire en fait. Mais sinon, le flume est prêt à être ouvert puisqu'il est globalement terminé. Même au niveau de la sortie du boat ride. Voilà, je l'ai faite. Elle est faite aussi. Touk touk touk. On arrive là. Et du coup, on ressort. En plus, on passe à côté du flume, c'est sympa. Il y a une petite interaction. Vraiment, cette zone, il y a vraiment des interactions de partout. Toutes les interactions s'entremêlent. Et je trouve ça pas plus mal. Une fois qu'il y aura le coaster, ce sera vraiment. Ça fera un bel univers. Je suis content. Et voilà, donc la sortie du boat ride se termine ici. Enfin, rejoint l'allée ici. Et voilà, on a du coup toujours cette fameuse file d'attente. Tac. File d'attente qui passe au-dessus. Alors le jeu sauvegardé, voilà. Donc file d'attente qui passe au-dessus du flume. Et tac. De toute façon, ça vous l'avez vu dans l'épisode dernier. C'était déjà d'actualité. Alors, on va pouvoir l'ouvrir, du coup. Je pense pas le changer. Peut-être que je vais changer de couleur. Ça peut être intéressant. Je vais voir quelle couleur je peux mettre. Si je mets du. Peut-être un vert un peu plus. En vert. Ouais, non, c'est pas très joli en vert. Hein. Non, bah après, il était bien en bleu. Hein. Je vais remettre en bleu. Tac, moi j'aime bien en bleu. Couleur de base, je trouve que ça va bien. Ok, tac, donc je l'ouvre. Alors, il faut d'abord que je le teste. On va pouvoir le tester du coup. Tac. Ça va être dedans. Avec du coup la file d'attente qui passe au-dessus. J'accélère un petit peu pendant la montée quand même. Et là voilà, donc là il y a l'attraction qui n'est pas du tout encore thématisée. Toute la partie gauche n'est absolument pas faite. Ce sera à faire dans les prochains épisodes. Et voilà, on a la première descente. Avec la cascade à gauche. Je
En soi, il est un petit peu court, hein. Il est pas très long. On a seulement deux descentes, mais après, on va dire que l'espace me le permettait pas non plus, me permettait pas non plus de faire un gros truc. Mais moi, je trouve ça pas non plus déconnant, deux descentes. Bon, c'est pas non plus un drame ultime. Peut-être que le crocodile, je devrais le mettre avec une séquence. En gros, l'activer quand le train passe à côté. Enfin, passe devant plutôt. À voir. Parce que j'aime bien aussi l'idée de le voir en fait quand on est dans la gare. Bon, on le voit quand même, mais. Est-ce qu'on peut le voir peut-être aussi de là-bas? Ouais, ça fait un petit peu loin là. Ouais, non, on le voit pas là. Je mettrai sûrement une séquence pour activer le crocodile quand la bûche arrive ici. Non, je peux l'ouvrir? Oui, parfait, je peux l'ouvrir. Impec. Mon avis, voilà. Là, on a les premiers visiteurs qui arrivent. On va accélérer tout ça. Il faudra que je fasse aussi également des toilettes ici. Je voulais faire des toilettes du côté gauche. Et des. Peut-être une boutique. Bon, j'ai laissé le jeu tourner un petit peu en accéléré pour voir où aller. Jusqu'où aller à la file d'attente. Elle est complètement remplie. C'est simple, voilà. Elle est remplie à fond. Il y a carrément. Ouais, wow. Ah ouais, d'accord. Il y a carrément, carrément des gens qui ne veulent plus rentrer. Voilà, qui refusent d'y aller. Comme peut-être eux. Non, eux ils y vont. J'ai des gens des fois qui refusent d'y aller. Voilà, voilà. Lui par exemple, lui il veut pas. Voilà, pas question de faire la queue aussi longtemps pour fuir. Voilà. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est que ça marche, c'est que ça tourne. Est-ce que j'ai assez de flume, enfin de bûches par contre? Je pense pas, je pense que non. Ouais, voilà, j'en ai peut-être pas assez. Je regarderai le nombre de flumes, enfin de bûches, pardon, qu'on a, qu'il y a dans ce genre d'attraction. J'en ai combien là? J'en ai 5. Bon, à mon avis, je peux en mettre au moins 7 ou 8, je verrai plus tard. Mais voilà, donc le fume est enfin ouvert. On a du coup vraiment ce point central là qui est vraiment terminé et qui est décoré. Je suis vraiment très content. On verra au prochain épisode si je commence le fameux coaster, le fameux flying coaster que j'avais prévu de faire. Ou alors je commence une nouvelle zone. Puisque j'aime bien en général faire on va dire, deux zones en même temps, histoire de pas tout le temps faire la même chose. Parce que c'est vachement redondant, sinon c'est un peu lassant, c'est dommage. Donc là, pourquoi pas commencer une autre partie du parc, histoire de changer un petit peu, parce que ça fait un petit moment qu'on est sur cette fameuse zone. Donc à voir. En tout cas, moi je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à surtout partager la vidéo, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!